Bonjour tout le monde, c'est Kazuki et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo achat gaming, rétro gaming et anime japonais pour le mois d'avril. On va commencer par quelque chose que vous voyez depuis le début qui est ici. J'ai réussi à me procurer une PLV de FF10 et 10.2 dans sa version HD Remaster. Je vous avais présenté le jeu il y a quelques temps, et voilà. Comme vous pouvez voir, ils ont réutilisé la même image pour la PLV. Et je trouve vraiment que cet artwork est vraiment magnifique, car il nous fait de suite penser, pour ceux qui ont fait le jeu, à cette fameuse scène cinématique où Tidus et Yuna s'embrassent pour la première fois sous l'eau dans ce fameux lac, avec par derrière cette somptueuse musique composée par Nobuo et interprétée par Litsuki Nakano. Et je suis vraiment très content d'avoir mis la main sur cette PLV. On va rester sur du Final Fantasy et on va passer à un bon gros collector du Final Fantasy Type 0 HD. Donc déjà, ce qu'on peut dire par rapport à ce collector, je dirais que par rapport au collector que Nintendo a tendance à nous présenter, là, on est sur un beau collector français, pas avec les signes bien dégueulasses d'autres pays européens, et que derrière il n'y a pas du multilingue bien dégueulasse, mais seulement du français. Donc je ferai pas d'unboxing, plein de youtubeurs l'ont déjà fait, mais je vais vous parler un peu plus de ce jeu. Donc en fait, ce collector type 0 est un portage HD du jeu Final Fantasy Reishiki, qui est sorti fin 2011 sur PSP, exclusivement au Japon. Et ce jeu, à la base, faisait partie de la fameuse trilogie Fabula Nova Crystallis, qui devait être composée à la base de Final Fantasy XIII, Final Fantasy Versus XIII, qui est devenue une Arlésienne avant de devenir officiellement Final Fantasy XV, et qui était composé du jeu que je viens de vous présenter, mais qui à la base s'appelait Agito, et qui est devenu Reishiki. C'est un bon jeu. Je l'avais fait à l'époque, je l'avais commencé sur ma PSP en japonais. Je vous le conseille, mais il ne faut pas s'attendre à un jeu PS4, loin de là. Ce jeu, c'est même pas un jeu PS3, quoi. C'est du portage HD d'un jeu PSP. Mais l'histoire est vraiment sympa, avec plein de personnages jouables. Ensuite, un autre collector que j'ai trouvé chez Micromania, c'était du déstockage. Et avant de vous parler de ce collector, j'aimerais vous parler un peu plus longuement du développeur qui a derrière cette série de jeux, qui est vraiment, depuis quelques années, c'est vraiment fin de nom. Qui est, comment dire, je vais illustrer ce que je veux vous dire par un exemple. À l'époque, quand Doom était sorti, c'était un FPS, et voilà, c'est devenu la référence, alors que ce n'était pas le premier FPS qui était sorti. Il y en avait eu avant, Wolfenstein, mais voilà, c'est celui-là qui a su faire le plus de buzz, entre guillemets. La série de jeux que je vais vous montrer, et le fameux collector que je me suis procuré, c'est un peu pareil. Ils n'ont pas créé un genre comme le FPS, mais ils ont plutôt repris des codes, un système de gameplay old school. Ils ont su l'adapter avec un univers qu'ils ont su mettre bien en avant, et ils ont réussi un peu à introduire des nouveaux codes par rapport au jeu 3D. Et ce genre de jeu, en fait, est devenu une référence, cette série, que maintenant, certains jeux qui sortent et qui plagient, on peut dire, ou qui y ressemblent, on les appelle 1-1, like, comme les Doom. Mais moi, je trouve ça un peu réducteur, parce que ce studio, avant d'avoir fait cette série-là, ils ont fait énormément de jeux, et de bons jeux. Je vais vous parler, moi, des jeux que j'ai pu jouer ou que je possède, qui ont été faits par ce fameux développeur. Il y a eu dans un premier temps, si je me rappelle bien, sur PS1, il y en a eu aussi sur PS2, ils en ont fait énormément, la série des Armor Core, qui étaient des jeux de mecha, qui étaient vraiment bons. Après, sur PS2, ils ont été les premiers à proposer des JRPG, dont entre autres le Eternal Ring. Mais ils ont aussi sorti Evergrace,
qui sont peut-être pas des très grands RPG, mais qui sont corrects, on dira. Et ensuite, ils ont sorti deux très bons JRPG sur la Cube. Et ces jeux-là, je vous en avais déjà parlé donc, dans ma vidéo collection. Et j'avais bien insisté sur le fait qu'ils méritaient vraiment d'être joués, parce que c'était vraiment de très bons JRPG. Je veux parler de Royaumes Perdus, le premier, et les Royaumes Perdus 2, qui sont d'excellents JRPG, toujours faits par le fameux développeur. Certaines personnes les auront peut-être déjà reconnus. Pour moi, c'est réducteur que quand on parle de cette série, de ce développeur, on ne parle que de cette série. Ok, ils ont fait un mythe, ils sont rentrés dans la légende, mais ils ont fait du très bon boulot avant. Et j'estime que leur boulot mérite d'être un peu plus connu. C'est comme par exemple pour Hudson. Hudson, pour tout le monde, c'est quoi? C'est Bomberman. Non, je suis désolé. Bomberman, c'est peut-être excellent, mais ils ont fait vraiment des choses beaucoup plus marquantes, beaucoup plus innovantes, et des choses qui mériteraient d'être mises encore plus en avant. C'est quand même les créateurs et les papas de la PC Engine. Ils étaient en avance sur tout ce qui se faisait à l'époque. Et voilà, j'en profite pour ce fameux développeur de vous montrer tous les genres de jeux qu'ils ont pu faire. Et je vous en montre qu'une partie, parce que je ne les connais pas tous. Après ça, je sais que sur Xbox, sur la original Xbox, ils ont fait deux beat'em all dans un univers japonais médiéval onirique, qui sont les Otogi, qui sont juste des merveilles, que je vous conseille vraiment de faire. Un autre jeu, cette fois-ci, ils ont fait du Survival Horror sur PS2. Vraiment un jeu sympa, le Kuon. On peut vraiment dire que la PS2 aura connu de super survival, et ce Kuon est vraiment un jeu sympa. Et puis forcément, le jeu dont je voulais vous montrer, un beau collector, le Dark Souls 2, avec une belle figurine, j'espère que vous la verrez. Ouh, on va le poser parce qu'il pèse un âne mort. Et donc oui, forcément, maintenant vous savez de qui je voulais parler. Ce fameux développeur est From Software, qui s'est fait connaître vraiment avec Demon's Souls. Et encore, celui-là, c'est peut-être le moins connu. Les gens connaissent plutôt, forcément, Dark Souls. Et voilà, donc, comme vous pourrez remarquer, le premier sur PS3, le deuxième sur PC, enfin le deuxième, le Dark Souls sur PC, le 2 sur Xbox 360, et forcément, le dernier jeu qu'ils ont sorti, Bloodborne, je me le prendrai sur PS4. Donc j'invite les gens qui aiment vraiment ce développeur à faire des recherches, car ils ont fait vraiment de très bons jeux. Et voilà, From Software, et j'insiste vraiment, From Software, c'est pas que des Dark Souls. Ils ont fait vraiment beaucoup de jeux, et beaucoup sont vraiment bons ou sympathiques. Tout à l'heure, je vous parlais de la original Xbox, et je vais en profiter pour vous montrer deux jeux. On va commencer par The Elder Scrolls Morrowind, qui est en fait le Elder Scrolls 3. Donc les Elder Scrolls, qu'est-ce que c'est? C'est des JRPG occidentaux développés par Bethesda. Le 1 et le 2 étaient des exclusivités PC, mais avec donc ce 3, Morrowind, il va sortir aussi bien sur PC que sur la original Xbox. Bon, on ne va pas se leurrer, la original Xbox, tout le monde le sait, c'est un PC. Donc c'est pour ça que ce Morrowind n'est pas sorti sur PS2, ni sur GameCube. Il n'est sorti que sur Xbox. Parce que je pense qu'elles n'avaient pas les reins assez solides pour sortir ce genre de jeu. Donc on retrouve vraiment ce qui fait le sel de Elder Scrolls, c'est-à-dire la création des personnages, les statistiques, la vue FPS ou TPS, un open world. Cette fois-ci, le jeu se passait sur la contrée de Morrowind, et plus précisément sur l'île de Vardenfell, qui, quand même, à cette époque-là, faisait, je dirais, à peu près presque 25 km², je crois. C'était juste énorme. Et donc, ce jeu était fourni avec un
la fameuse carte de Vardenfell. Comme vous pouvez voir, le terrain de jeu était juste immense et je vous rappelle que ce jeu est sorti en 2002. C'est pour ça, à mon avis, que dans la mémoire collective, c'est vrai que quand on demande aux gens quel est leur Elder Scroll préféré, c'est souvent Morrowind qui revient, mais je pense justement parce que Morrowind a été le premier jeu accessible aux consoles. Et je pense que c'est pour ça qu'il a marqué beaucoup de gens, quoi. Et à cette époque-là, forcément, j'insiste, mais voilà, on avait des belles notices tout en français. Elle peut-être pas en couleur. Mais sur Xbox ou PS2 quand même à cette époque-là, il y en avait souvent coup là. Mais voilà, c'était pas du multilingue, c'était tout en français. Et je peux vous dire que sur des jeux comme ça, quand les consoleux se sont retrouvés comme Morrowind, je pense qu'ils ont dû passer par la case notice. Parce que les joueurs PC, ça va, ils étaient habitués à lire. Et parce qu'il y a, c'est du gros contenu. Morrowind, vraiment, quand il a dû arriver sur Xbox, moi je l'ai fait sur PC à cette époque-là. Mais je pense que les mecs qui avaient jamais vu un Elder Scroll de leur vie, ouais, ils se sont rendus compte un peu de ce qu'on pouvait faire sur un PC, et que, tant bien que mal, ils avaient réussi à le porter sur la Xbox originale, qui était quand même un PC un peu moins puissant, mais comparé à la PS4 et la Xbox One, la originale Xbox tenait quand même le pavé et proposait vraiment une version plutôt jolie de la version PC. Un autre jeu sur la original Xbox, Panzer Dragoon Horta. Alors, Panzer Dragoon Horta, c'est un shoot'em up rail shooter qui est sorti aussi en 2002, qui a été développé par des anciens de la team Andromeda, qui entre temps était devenue la team Smilebit. Ce studio était aussi à l'origine des fameux Panzer Dragoon de la Saturn. Le premier Panzer Dragoon était sorti en 95. Ensuite, il y a eu le Zwei, donc Panzer Dragoon de Zwei, qui était sorti en 96. Et le cultissime Panzer Dragoon Saga, qui était sorti en 98, et que vous avez vu il n'y a pas de temps sur mon Facebook. J'ai redonné un petit coup de jeunesse au four au carton, justement. Et le Panzer Dragoon Saga, en fait, c'est un RPG avec des phases de shoot, tandis que les Panzer Dragoon, le Zwei et celui-ci, le Horta, c'est vraiment du pur shoot'em up, rail shooter, mais avec un univers mis en place juste magnifique. Et franchement, Panzer Dragoon sur Xbox, c'est juste une tuerie, quoi. Il est magnifique. Et je vous invite à le faire. C'est vraiment une exclusivité Xbox à se procurer, même s'il n'y a pas marqué exclusivité. On va passer un peu de Dreamcast, ça fait un moment que je vous en avais pas montré. Un petit jeu sympa, qui est le Sonic Shuffle. Avec un boîtier qui n'est pas cassé. Faut le montrer, parce qu'en général, les boîtiers Dreamcast, ils s'explosent comme de la merde. Il est complet. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce Sonic Shuffle ? Mais il a été développé par la Sonic Team. Il est sorti en 2001 en France. Et c'est une réponse de Sega au Mario Party de Nintendo. Et ce qui est marrant à savoir, c'est que, peut-être que vous le savez ou vous ne le savez pas, c'est que les Mario Party sont développés par Hudson Soft. Hudson. Mais il faut savoir que la Sonic Team qui a fait ce Sonic Shuffle a travaillé en collaboration avec Hudson Soft aussi. Sega à l'époque, ils se sont dit on va concurrencer Mario Party. Les Mario Party, c'est qui les fait? C'est Hudson. Et bien on va prendre Hudson avec nous, on va bosser en équipe, et voilà le résultat. Donc c'est un bon petit jeu. Bon, en solo, on se fait chier personnellement, mais à plusieurs, c'est sympa. Moi je vous le dis, et moi je le dis, je préfère jouer à Sonic Shuffle qu'à Mario Party. Pourquoi? Parce que je suis allergique à. Aux mascottes de Nintendo. Aux mascottes de Sega, ça passe, mais mascotte de Nintendo, ça me file un peu la gerbe. Hein. Même si c'est Hudson qui l'a développé. Ensuite, une photo que vous avez vue sur mon Facebook. On va passer à de la PC Engine. Avec le Sazan Eyes Sanji Yan Angel. Alors là, vous allez vous dire,
pour un jeu PC Engine. C'est plutôt une grosse boîte en carton. En général, c'est plutôt un boîtier CD. Et là, on va dire que c'est un peu une version collector. Je vais vous le montrer. Toujours le blister maison. Hop. Que trouve-t-on à l'intérieur? Hop. Une VHS qui est encore sous blister, vous remarquerez. Et le jeu. Alors, qu'est-ce que c'est Sazan Eyes, qu'on pourrait qualifier de digital comic interactif. Faut savoir que donc c'est tiré d'un manga très connu au Japon, qui avait été fait par Yuzo Takada, qui est un manga qui a été publié entre 1987 et 2002 et qui comporte 40 tomes, qui sont sortis d'ailleurs chez nous en France aux éditions Pika. Et que par la suite, il y a eu deux séries d'animés, plus précisément des OAV. Il y a eu un total de 7 OAV, et on peut dire que ce jeu, en fait, donc ce que je vous ai parlé tout à l'heure, les Digital Comic Interactive, c'est des genres d'OAV, un OAV Gaiden, excusez-moi les reflets, et on peut dire donc en gros oui que c'est un OAV interactif qui remplace dans l'univers de Sazan Eyes. Donc forcément si c'est un OAV, c'est vrai que pour les personnes qui ne sont pas japonisables, ça peut être un frein. Mais pour ceux qui connaissent la série d'OAV, je pense que ce jeu peut être joué. Donc par rapport à d'autres digital comics classiques, il faut le savoir que celui-ci ne se contente pas de raconter qu'une histoire. Cette histoire a plusieurs embranchements selon vos décisions et plusieurs fins. Et comme on peut voir sur la boîte, on peut y jouer sur le format Super CD-ROM, mais aussi le format arcade. L'arcade card n'est pas obligatoire, mais il faut savoir que si vous la possédez, il y aura des temps de charge améliorés, et au niveau de l'animation des dessins animés, ça sera beaucoup plus fluide. Donc si vous l'avez, ça sera un plus. Comme vous pouvez remarquer quand même, arrête de taper dans la caméra. C'est quand même une belle édition avec une VHS et le jeu. Donc comme je vous ai dit, c'est du digital manga. Si vous ne parlez pas le japonais, ça peut être très compliqué. Mais si vous avez vu les OAV, je pense que ça peut être intéressant de le faire. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous montrer ces OAV. Qui sont aussi sortis en France chez Kazé dans plusieurs éditions. Là, je vais vous montrer l'édition la plus rare et la plus collector qui est sortie en édition limitée à 6000 exemplaires. Comme vous pouvez voir, le coffret est juste magnifique. Et contrairement, je dirais, à certains jeux vidéo du style Zelda, Mario, où les mecs se branlent les couilles en mettant des prix astronomiques. Alors que c'est tout sauf rare, en général quand on met un coup de pied dans un grenier ou dans une cave de maison, il y en a 10 qui tombent. Par contre, des jolis coffrets comme ça, qui ne valent rien, et tant mieux. Ça c'est rare, hein. 6000 exemplaires. Hein. Alors, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. On voit que c'est un fourreau. Donc ce coffret est sorti à peu près il y a une dizaine d'années. En sachant que déjà ils étaient vachement à la bourre parce que c'est un animé culte. Enfin, que je considère culte, et je ne suis pas le seul, qui date du début des années 90, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, il comporte un livret tout en couleurs qui nous résume un peu l'histoire, les personnages. Comme vous pouvez voir, c'est de la belle qualité, c'est du beau papier. On ne se fout pas de votre gueule. Il y a aussi, comme je vous ai dit, il y avait le manga qui était sorti en France, aux éditions Pika, qui comportait 40 volumes. Et dans ce collector, ils nous sortent le tome 1,
Donc waouh, on pourrait se dire, ouais, ça va, ils sont pas trop chiés, quoi. Sauf que non. C'est un tome 1 qui est bien marqué, qui est exclusif à cette version collector. Donc voilà, c'est vraiment pour les fans de cette série. C'est un beau cadeau, quoi. Un tome 1 dans une édition ultra collector, quoi. Un manga édité à 6000 exemplaires. Ensuite, des cartes postales. Des petites lithos. Non, plutôt, c'est des lithos. Elles sont petites, mais elles sont juste. Voilà, regardez la qualité. Ça, c'est du collector. Ça, c'est rare. Hein. Surtout dans cet état-là, parce que moi, je l'ai acheté il y a plus de 10 ans quand même. C'est sorti en 2005. Ça, c'est des belles pièces. Plutôt souvent, hein, belles pièces. La seule valeur qu'elle a, c'est celle qu'elle a à vos yeux. Moi, je sais que des collecteurs comme ça d'animé. Je suis vraiment fan, quoi. Donc voilà, des belles petites lithos magnifiques et qui pèsent leur poids, c'est pas de la qualité de merde. Ce que j'appelle moi pour les animés une genre de spin card, ça en général tout le monde les balarde, moi je les ai tous gardés. Mon petit hobby en japonais, spin card. Et le jeu. Et la série des 7 OAV sur un joli coffret, voilà, rien à dire, ça c'est beau, ça c'est collector, et on se fout pas de notre gueule à nous proposer des collectors tout moisis comme malheureusement on voit un peu trop souvent dans le jeu vidéo à l'heure actuelle. D'ailleurs il me tarde, encore un hors sujet, bientôt il y a The Witcher 3 qui va sortir. Il y a déjà les gros rats spéculateurs sur internet qui commencent à proposer le collector à 100 ou 110 euros plus cher que le prix de base. Il y a des gens malheureusement qui n'auront pas le collector. J'en fais peut-être partie. Il faut savoir que j'ai préco le jeu il y a plus de 10 mois. Il y a des rumeurs comme quoi on l'aurait peut-être pas. Donc vous voyez, on en est arrivé à un point maintenant où ça devient du grand n'importe quoi. Donc si, comme moi, il y a des fans de The Witcher qui ont préco le collector et qui ne l'ont malheureusement pas, je vous en prie, s'il vous plaît, n'achetez pas ces gros connards de merde. Laissez-les crever. Et, prenez-vous la version classique, tant pis, mais ne rentrez pas dans le jeu de ces crevards, quoi. Et ça, ben, par contre, j'en reviens à Sazan Eyes. Si vous avez la possibilité de vous trouver le coffret, il faut savoir que Kazé, bon, celui-là, il ne l'a jamais réédité, forcément, c'est un collector qui est numéroté, mais ils ont retiré en deux versions différentes, ou au pire, où il était chargé sur Internet. Mais c'est vraiment une super série d'animés des années 90, avec vraiment des rebondissements, une fin qu'on ne s'attend pas vraiment. Et je pense que voilà, les fans de PC Engine, ce jeu mérite d'être fait. Même si vous ne comprenez pas le japonais, les animations sont vraiment bien respectées. C'est vraiment dans l'univers, c'est un vrai épisode, c'est un vrai Gaiden. Et je pense que pour les fans de cette série-là, ça fait plaisir. Et pour finir, alors là c'est une bizarrerie. C'est un cadeau qu'on m'a fait. Je m'y connais pas mal en jeu vidéo, mais là il faut avouer que quand le mec m'a montré ça, il m'a dit tiens je vais te donner ça, on était dans son garage, il me l'a montré ça. Je connaissais pas du tout. C'était il y a à peu près une dizaine de jours. Donc depuis je me suis renseigné. Donc si parmi mes viewers il y a des personnes qui connaissent ceci, on va pas tergiverser non plus. Si certaines personnes connaissent cette bestiole, ça m'intéresserait qu'ils m'en disent un peu plus. Donc comme vous pouvez voir au premier abord, les connaisseurs reconnaîtront que ça ressemble à un micro-ordinateur du début des années 80. Je leur dirai tout à fait juste. Et si on regarde d'un peu plus près, c'est un ordinateur, enfin plus précisément un micro-ordinateur Sega. Que je ne connaissais pas du tout. Et en fait, cet ordinateur-là, on va essayer de dézoomer un peu. Hop. Voilà. En fait, cet ordinateur-là
On va faire un petit historique, car je me suis quand même renseigné, mais j'ai pas assez trouvé. J'aurais aimé trouver plus d'informations. Donc en fait, il faut savoir que Nintendo, à l'époque, a sorti sa première console, la Famicom, le 15 juillet 1983. Et en même temps, Sega sortait sa première console. Donc pour les Français, la première console de Sega, c'est la Master System. Mais en fait, la Master System, c'est la Sega Mark 3. Donc forcément, s'il y a un 3, c'est qu'il y a eu un 1 et un 2 avant. Donc moi, je connaissais la Sega Mark 1 et la Sega Mark 2. Et en fait, là, arrête de taper dans la caméra. Et en fait, cette Sega Mark 1, elle est sortie le même jour, c'est-à-dire le 15 juillet 83, le même jour que la Famicom au Japon. Mais elle est sortie sous, comment dire, deux versions, c'est-à-dire une version console de salon, mais elle est aussi sortie sous cette version micro-ordinateur. Car il faut savoir que ce Sega SC3000 Personal Computer est en fait un carrossage différent, mais à l'intérieur, c'est une Sega Mark 1. C'est-à-dire que les jeux que vous achetez pour la console Sega Mark sont compatibles avec ce micro-ordinateur, sauf que ce micro-ordinateur, par rapport à la Sega Mark 1, mais proposer un clavier et vous proposer de faire ce que vous proposez un micro-ordinateur à l'époque, c'est-à-dire des programmes informatiques comme le langage basique, etc. Donc au final, c'était beaucoup plus intéressant d'avoir ceci, car un micro-ordinateur, il faut savoir qu'à cette époque-là, avec le basique, on pouvait coder ses propres jeux. Les choses que je ne savais pas, c'est que cet ordinateur, si on regarde bien derrière, c'est pas un ordinateur japonais, il est bel et bien sorti en France. Donc je me suis renseigné, effectivement, cet ordinateur serait sorti en France dans les années, l'année, je sais pas trop, je dirais 83-84, donc quasiment les mêmes dates qu'au Japon. J'ai même vu des publicités de l'époque où on voyait des petits Français qui disaient, moi, à 6 heures, l'autre il disait en 10 heures, j'ai réussi à programmer tel jeu. Puis après ça, ils montraient des applications, des programmes de l'époque, des micros, ce que faisaient les micro-ordinateurs de l'époque. Et à l'époque, Sega vendait du moins en Europe, j'ai l'impression qu'ils vendaient ce micro-ordinateur vraiment pour la fonction micro-ordinateur, mais que la fonction console, parce que c'est avant tout une console, c'est un combo micro-ordinateur. Console, c'est-à-dire que les jeux cartouches de la console, ils vont là. Et nous, c'est sorti chez nous plus comme un micro-ordinateur. Donc, qu'est-ce que j'ai pu récolter comme information sur ce micro-ordinateur? Donc, il est sorti forcément en 83. Il est sorti chez nous, c'est une filiale qui s'est occupée de la distribution en France qui s'appelle Yeno. Donc, en général, vous verrez plutôt ces ordinateurs avec un autocollant Yeno ici. Et la deuxième version de clavier, un clavier mécanique avec des touches rigides, tandis que là c'est un clavier, comme vous pouvez voir, un clavier gomme. Donc je ne sais pas du tout ce modèle d'où il sort. C'est un modèle français, ça c'est sûr, comme vous avez pu voir. Mais en général, en France, visiblement, donc c'est pour là que je fais appel aux viewers qui passeraient dans le coin et qui seraient spécialistes des micro-ordinateurs du début des années 80 et plus spécialement sur ce fameux SC3000. Liu, peut-être que tu pourras me renseigner là-dessus. Tu es quand même assez calé, je pense, par rapport à moi au niveau des micro-ordinateurs de cette époque. Alors, au niveau du hardware, qu'est-ce qu'on peut dire de ce Sega SC3000? Donc oui, au niveau du processeur, visiblement, ça se rapprocherait des processeurs à l'époque que l'on pouvait trouver sur les ordinateurs, micro-ordinateurs MSX. La carte graphique, c'était une Texas Instruments, il me semble. C'est un ordinateur 8 bits à peu près. Et graphiquement, on peut dire que c'était visiblement un clone de la CBS ColecoVision, donc une console qui était sortie une année avant, c'est-à-dire en 1982, et qui déjà graphiquement était venue mettre une bonne tannée aux ordinateurs qui étaient déjà en place. Donc là, ces gars, ils débarquaient avec un ordinateur qui était censé visiblement s'adresser à un public jeune. C'était vraiment l'ordinateur découverte. Il avait quelques lacunes. Et visiblement, ces lacunes, en fait, viennent que. Donc ce clavier, on me l'a donné. Il est complètement loose. Hein. Donc pour l'instant, je l'ai nettoyé. J'ai pu vérifier l'alimentation. Car l'alimentation, c'est du 9 volts en continu. Donc ça, j'ai pas eu de soucis. Mais on regardera tout à l'heure les périphériques. C'est pour ça que j'aimerais bien que si quelqu'un s'y connaisse, qu'il m'aide un peu. Et donc comme je vous disais, cet ordinateur,
sans cartouche, il ne marche pas. C'est-à-dire que même si vous voulez vous en servir un micro-ordinateur, il vous faut une cartouche dedans qui s'appelle les cartouches basiques. Parce que visiblement, à l'intérieur, cet ordinateur a de la VRAM, mais il n'aurait quasiment pas, voire pas du tout, de RAM. Et comme vous savez, si un PC n'a pas de RAM, il ne s'allumera pas, il ne s'exécutera pas. L'OS ne se lancera pas. Et en fait, voilà, moi je n'ai pas de cartouche. Donc je ne pourrais pas m'en servir, il faudrait que je trouve une cartouche basique. Visiblement, il y a eu plusieurs cartouches de basique. Et à chaque fois, la différence, c'est qu'il rajoutait un peu plus de RAM pour l'utilisateur. Je crois que c'était 8 kg, 16 kg et 32 kg. Oui, vous avez bien entendu. Je parle en kilos. Maintenant, quand on voit qu'un ordinateur a 8, 16 Go de RAM, en 1983, c'était pas trop ça. Donc voilà, donc j'espère me trouver une cartouche de... Bah, le basique encore, à la limite, pour développer moi-même mon petit jeu, ouais, non. Ça serait plutôt pour la préservation vraiment du modèle. Donc oui, je vous ai dit, donc ce modèle est sorti en même temps que la Sega Mark 1 au Japon, complètement rétro-compatible avec les jeux, donc c'est un combo console-ordinateur, mais qui était quand même plus intéressante, car au niveau des ports, on va regarder un peu comment... Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Sur la face avant, un clavier gomme. Sur le côté, deux ports manettes. Et ça, j'ai pu le vérifier, c'est compatible avec les manettes Master System et Mega Drive. À l'arrière, qu'est-ce qu'on retrouve ? On va commencer par là. Un interrupteur. Ensuite, l'alimentation, donc qui est du 9 volts continu classique de l'alimentation Master System. À côté, nous trouvons une entrée-sortie pour cassette. Et ça, c'est en fait, si vous voulez, dessus, on pouvait brancher un lecteur cassette. À l'époque, il n'y avait pas les disquettes. Et donc, en gros, quand vous faisiez du codage basique, que vous faisiez votre jeu, ben, en fait, il vous fallait... vous mettiez vos jeux, comme il n'y a pas de disquettes, sur des cassettes audio. Et ça, par contre, j'aimerais bien en avoir un, mais alors... Je peux me lever tôt et boire de l'eau claire pour trouver, à mon avis, un lecteur cassette audio Sega en plus. J'ai vu des images sur internet, c'est du Sega. Enfin bref, rêver c'est beau. Ensuite, on pouvait y brancher dessus une imprimante, une sortie vidéo. Donc comparé à d'autres micro-ordinateurs, qui des fois il leur fallait des écrans spécifiques, celui-là pouvait se brancher sur une télé. Et à côté, nous voyons bien qu'il y avait un switch. Sur cette version française, le switch n'a pas été installé. Et qu'il y avait une sortie RF qui n'est pas non plus installée. Car c'est le modèle français. Et si l'on regarde de plus près, donc comme je vous ai dit, moi, on me l'a donné comme ça. D'ailleurs, je remercie encore le mec qui me l'a donné. Si on regarde de plus près, la sortie vidéo, c'est une fiche DIN femelle. Donc, qui n'est plus utilisée maintenant, je pense, ou très peu. Qui ressemble à la sortie Mega Drive ou Master System. Mais si l'on regarde de plus près, parce que j'ai essayé de brancher une Péritel Poire, et en fait, si on regarde de plus près, comme je vous disais, c'est bien un DIN 8 broches, mais en fait, dans le DIN 8 broches, il y a, comment dire, deux formats spécifiques. Moi, j'ai un format, en fait, qui ressemble à un C, c'est-à-dire que les deux pins du haut rentrent vers, comme vous le voyez, l'intérieur. Tandis que la Mega Drive et la Master System, les pins, les duos, vont vers l'extérieur. Donc c'est-à-dire qu'on peut le rentrer, mais en gros c'est rentrer un U dans un C et au final on va déchirer la femelle, ça ne sert à rien. Donc quand j'ai vu que ça ne rentrait pas, j'ai pas insisté. Je me suis un peu renseigné sur internet, j'ai trouvé des schémas de câblage. Donc effectivement, j'ai commandé une fiche DIN 8 broches. Un format avec cette forme en C, et j'ai regardé le câblage de la Péritel. J'ai réussi à trouver des câblages de Péritel de cette Sega SC3000. Et en fait, même si j'avais réussi à rentrer la Péritel de la Master System, le câblage RGB, car il faut savoir que ce Sega Mark, j'y tiens à Sega Mark, que ce Sega SC3000 se branche en RGB sur une télé cathodique.
Sauf que, bon, une télé cathodique, l'entrée Péritel, c'est toujours câblé pareil, hein. Le vert, le rouge, le bleu sont toujours sur les mêmes pins, la masse, etc. Mais par contre, au niveau de la console, c'est pas câblé comme la Master System ou la Mega Drive. Donc même si j'avais rentré en force, la Péritel serait pas marché. Donc en fait, comme je vous ai dit, je me suis procuré le matos. Je vais me fabriquer la Péritel moi-même. Donc j'ai l'alimentation, je vais avoir la Péritel. Par contre, bah, il me faudrait un jeu. Donc si parmi vous, des gens ont trouvé un vide-grenier, parce que bon voilà, moi le mec qui me l'a filé a trouvé son vide-grenier, il savait pas ce que c'était, c'était une curiosité, il l'avait mis dans son garage. Et voilà. S'il y a des gens qui ont trouvé des jeux Sega Mark 1, en général dessus sur les cartouches, c'est des grosses cartouches noires. Avec marqué dessus Sega Mark 1 et SC3000, qui ne savent pas quoi en faire, mais je serais intéressé. Donc, Liu, ça vaut pour toi aussi. Si tu peux me donner un peu plus d'infos sur cette bizarrerie, car je dois avouer que je ne la connaissais pas du tout. Et j'avoue que franchement, Sega, qui sort sa console avec un combo micro-ordinateur, c'est sorti en France. Il faut savoir que c'est sorti en France. Et bien avant que Nintendo sorte sa Nintendo ou que Sega sorte sa Master System, puisque la Master System et la Nintendo ont dû sortir après les années 86-87. Ça, c'est un micro-ordinateur qui arrivait en 83-84 en France. Donc, on peut dire qu'entre Sega et Nintendo, c'est Sega qui a posé le premier pied en France. Entre guillemets, je parle pas de l'arcade et tout ça, mais je parle vraiment des consoles de maison parce que ça peut être un micro-ordinateur, ça se branche sur une télé, ça marche avec des cartouches. Donc voilà, c'est. Ouais, je suis content comme les données, franchement. Ouais, je suis vraiment. Je me répète, je suis super content, mais voilà, c'est un vestige du passé. Visiblement, je l'ai démonté, je l'ai nettoyé. La carte mère a l'air nickel. Il n'y a pas de composants qui ont cramé. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de résistance qui ont l'air d'avoir chauffé ni rien. Quand on le branche, ça s'allume. Donc voilà, j'ai bien nettoyé les ports. Franchement, j'espère qu'il va marcher. Et si c'est le cas, je vous en ferai une vidéo. Après, voilà, faut pas s'attendre à des miracles. Là, graphiquement, c'est des jeux de 83, quoi. Donc, faut savoir que c'est l'ancêtre de la Master System, quoi. Et même la Nintendo NES, graphiquement, fait mieux. Mais voilà, c'est une part d'histoire du jeu vidéo, quoi. Sega a sorti un micro-ordinateur. Et c'est même sorti en France. Moi, j'étais trop bébé à cette époque-là. Forcément, j'avais 2 ans. Mais je suis bien content d'avoir mis la main dessus. Donc, si des personnes connaissent cette bécane, peuvent me donner plus de renseignements. Parce que je vous dis ce que je vous ai donné. C'est les informations que j'ai pu glaner pendant une semaine, quoi. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux pour faire marcher ce petit bébé. Ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao!